m'appelle Adrien Bord, je suis étudiant en bachelor marché de l'art à l'USA. J'ai choisi l'USA pour son réseau tout d'abord, qui est très important, avec un réseau d'alumni vraiment important. Ensuite, pour les professeurs, qui sont tous des professionnels, 90% des professeurs sont des professionnels qui sont en lien direct avec le marché de l'art. Et enfin, pour l'aspect professionnel, avec les nombreux stages que propose l'école. Après l'USA, je souhaite être expert en bijoux anciens, car à suite d'une exposition, j'ai été fasciné par les bijoux et je souhaite en faire ma spécialité. Concernant la pédagogie des différents professeurs, je pense qu'ils sont tous professionnels, donc ils ont une vraie expérience de terrain, ou alors des formations académiques très poussées, comme je pense par exemple à Luis Belawari, professeur d'histoire de l'art qui est aussi docteur en histoire de l'art. En fin de première année, j'ai travaillé sur le projet de la vente aux enchères, qui finance le prix Juvénard, récompensant les artistes de moins de 30 ans n'ayant pas de galerie. J'ai organisé cette vente avec l'aide de mes camarades de classe, que ce soit du montage de la vente, recherche d'œuvres d'art, recherche de donateurs, à la publicité, la communication, les transporteurs, les assurances, jusqu'à la vente qui a eu lieu en juin dernier. Je résumerai l'USA en trois mots: stage, histoire et culture.